A laissé le champ libre à la Turquie pour envahir cette zone, le Rojava, peuplé majoritairement de Kurdes, et assouvir les plans de nettoyage ethnique que le régime d'Erdogan nourrit depuis si longtemps en l'encontre des Kurdes. Mercredi 9 octobre, le régime turc a mis ses menaces en exécution avec des bombardements aériens suivis par une incursion terrestre dans les régions frontalières situées à l'est de l'Euphrate. Depuis les attaques de l'armée turque, et des djihadistes assassins ont causé des catastrophes humanitaires dans cette région, jusqu'à présent épargnée par la guerre qui fait rage en Syrie. 218 civils tués, dont 18 enfants et 653 blessés. 220 combattants tués, 300 000 personnes déplacées. Par ailleurs, plusieurs personnes, dont la co-présidente du parti armé de la Syrie, Evin Kaler, ont été sauvagement exécutées par des mercenaires directs. Les organisations de la société civile au nom de la Syrie ont publié le 17 octobre.
Rojava eve. Xudî derketine Rojava deng bilinkirine. Xudî derketine Rojava meşe. Xudî derketine Rojava kablo meşe ve o bir dürüşme xwa bi gotine xwa eme der xudana xwa xudî derbike. Yoksa çareke meydin ne piçin bixin. Şbuy qasir hamu helale mehdunu kule duyanı da bira vare parezi me peş lapı meşe. Şkere me xara peş de vare helalu. Ben bu kamyonu vare. Evali me bira ben bu kamyonu vare meşe meydin işe bira tira bi cimbi. Alam eda bi cimbi me. Evali le orti bira neskini şkere me xara. Evali bira le orti neskini evali görevli bira kim fa bingin. Evali görevli bira vare parezi bişini alani. Evali bira bi güvene alani. Merci de nous attendre. D'autre part, la Marseillaise a lancé une grande campagne sur son journal de hashtag avec les Kurdes. Vous pouvez envoyer un tweet, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez envoyer une lettre. Les combattants ont besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, allez tous à vos claviers et envoyez pour l'IPG et l'IPJ. Merci. Bienvenue à tous. Une petite parenthèse pour ce qui s'est passé à la provocation. J'ai un peu la colère. Cela s'appelle les moutons d'Erdogan. Erdogan a joué sur les médias turcs en se faisant passer pour un prince, pour un sultan, pour quelqu'un qui était pour la religion. Et les moutons d'ici essayent de provoquer le peuple kurde. Le peuple kurde qui est en deuil par rapport à ses combattants, qui est en deuil par rapport à ses civils. Et aujourd'hui, la Turquie, les États-Unis, la Russie ont formé un triangle. Cela s'appelle un triangle d'intérêt. Il y a eu le cessez-le-feu, un accord entre l'USA et la Turquie. Cela se passe, ça fait 30 ans, plus de 30 heures. Et il n'y a toujours pas un corridor humanitaire qui a été ouvert pour évacuer les civils qui sont blessés. Notre commandant du FDC l'avait annoncé, Mazlum Abdoubik, qui avait dit, si on s'occupe des Turcs, les djihadistes pourraient s'échapper. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce que veut la Turquie à l'aide des Américains et de la Russie, juste par rapport aux intérêts de l'armement. Cet intérêt, ce triangle, le trio d'intérêts se joue sur la tête des Kurdes. Ce qu'il faut savoir, les Kurdes n'ont pas d'armée, mais ils sont tous combattants. De petits jusqu'aux vieux, de femmes aux filles, de 7 à 70 ans, c'est tous des combattants. Ils n'ont jamais baissé les bras, ils ne baisseront jamais les bras, que ce soit la superpuissance mondiale ou la plus petite. Parce que ça touche notre honneur, ça touche notre liberté, ça touche notre volonté. Et personne jusqu'à présent ne pourra toucher la volonté d'un Kurde. Cela s'appelle et ça vient de l'idéologie d'Abdullah Öcalan. On parle du PKK en disant c'est un groupe terroriste. Quel terroriste? Où vous avez-vous entendu que le PKK avait tué des enfants, des femmes enceintes, des vieilles? C'est ce qu'a fait Erdogan, le régime d'Erdogan en Turquie. Il a tué nos femmes, il a tué nos enfants, nos femmes enceintes. C'est qui le terroriste? Le PKK ou Erdogan? Il faudrait choisir maintenant. Il n'y a pas que les intérêts. Il y a quand même la volonté de l'être humain. Il y a la paix, il y a la liberté. Il y a l'égalité des gens. Et c'est ce que les Kurdes conservent jusqu'à présent. Cela fait plus de 30 ans, plus de 40 ans qu'on conserve cette idéologie. De vivre ensemble, de coexister ensemble et de rester ensemble. Peu importe votre religion, peu importe votre couleur, il faut juste être humain. Maintenant, nous demandons
à la coalition internationale d'arrêter de jouer aux provocations avec la Turquie, de venir au chantage de la Turquie. Erdogan vous menace avec les immigrés. Trouvez une solution. Vous êtes plusieurs pays. Vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de solutions. Vous auriez voulu, vous l'aurez fait, en créant des camps de réfugiés aux frontières syriennes, en les protégeant, en faisant des corridors humanitaires pour que personne ne touche ces civils pendant ce temps-là, le Kyon s'occuperont de Daesh. Et c'est ce qui s'est passé. Nous nous sommes occupés de Daesh jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous, vous avez fait? À part parler, à part dire des choses, vous n'avez rien fait. Nous, en tant que Kurdes, nous avons perdu 11 000 personnes, 11 000 combattants depuis maintenant. Il faut arrêter maintenant et choisir le camp humanitaire ou le camp des intérêts. Parce que ce problème qui se passe en Syrie, demain, il rejoindra l'Europe aussi, le monde entier. Et c'est là encore une fois que vous allez parler de Daesh en disant que Daesh a été libéré, que Daesh a encore progressé. À cause de qui, encore une fois? À cause de la Turquie, à cause du régime d'Erdogan. Il faudrait arrêter. Il faudrait prendre des initiatives sévères, pas des théories. Le peuple turc vous demande une pratique, le plus simple. Ne pas dire les choses, mais les faire. Vous avez eu un groupe, au début, un groupe de Kurdes qui s'est combattu contre Daesh, un groupe de femmes. Quel pays a vu ça déjà, un groupe de femmes aller combattre des barbares? Nous, on les a, on les connaît. C'est nos sœurs, nos mères, nos femmes peut-être. Et aujourd'hui, on est plusieurs milliers à défendre cet intérêt humanitaire. Pas que pour la tranquillité de l'être des Kurdes, pour la tranquillité de tout être. Ça a été pour la France, pour tout le monde. La douleur de Daesh, tout le monde l'a connue. La France notamment l'a connue, la douleur de Daesh. Vous devriez nous comprendre. Passez à la pratique, mais pas à la théorie. Cela fait plus de 10 ans qu'on reste toujours à la théorie. Il y en a marre, il y en a assez. Bûji Yepege, Bûji Yepege, vive le peuple turc, vive le Yepege. Baskin, Libeli Blakali Navit Shtibzanabin, Hrak Tukhazin, Vam Mesimei Gürtahi, Vam Mesimei Karabalık, Provokasyonu Tekhni, Aminei Provokasyonu, Kesaki Plan Nakarbe, Meshama, Sloganı Ne, Hestama, Hedefi Gali Kurd, Eku Yuru, Tukhazı Tehkefti Meştah Fikri, Hedefi Me'evin. Jibu Yenaz Bravşun'da, En اخویانی بدن امیوی دوی به قدرنش کرم اخورا چلکه ما با آخافتن به سلوگان بردوام آنها جبو خواندن فرانسیزی دیسان خواندن فرانسیزی تی خواندن چلکه ما بردوام حتی هوا جدور نهیم